Culture à présent, Assemblée générale ordinaire du Kodoma s'est tenue le week-end dernier à Gunugaya, dans le Mayokebi Ouest. D'importantes décisions ont été prises. On en sait plus avec Alain Yomo. C'est par des pas de danse Kodoma bien esquissés par le groupe du canton Tagal qu'élite et locaux se sont donné rendez-vous à Gunugaya pour cette assemblée générale chargée de conclusions importantes. À l'agenda, la présentation du bilan financier de Kodoma 2014 par l'équipe sortante, le renouvellement du bureau exécutif, l'organisation du prochain festival et les divers. À l'issue des travaux, un bureau de 9 membres est mis sur pied, piloté par Dr Alari Dikone, président, Deme Baïsama, vice-président, Adawa Allo, secrétaire général, assisté de Gamla Datoukdi Noël. Pour le nouveau président, des réformes profondes doivent être apportées aux textes fondamentaux du festival. Ceux-ci ne doivent plus se limiter à l'aspect folklore, culture, mais doivent dorénavant épouser les dimensions socio-économiques et environnementales. Kodoma a une dimension plus étendue. Je vais parler de la culture. La culture a besoin de la santé. La culture a besoin de l'éducation. La culture a besoin de préservation de l'environnement. Regardez par exemple, beaucoup de nos espaces animaliers, beaucoup de nos plantes disparaissent. Docteur Alari Dikone a présenté ses gratitudes aux uns et aux autres pour leur participation active et effective, notamment les chefs de canton avec lesquels il compte asseoir ce nouvel exercice jusqu'à la tenue du prochain festival dont la date n'est pas encore déterminée.